Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un minestrone. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though my video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Le minestrone consiste en une soupe épaisse de légumes. Il s'agit d'un plat emblématique de l'Italie. Traditionnellement, on lui rajoute des pâtes ou du riz. Au moment de servir, on râpe un peu de Parmigiano-Reggiano. Le minestrone peut être végétarien ou au bœuf. On y ajoute souvent des haricots comme des flageolets. Alors, c'est parti! Alors, j'ai fait cuire au four un rôti de palette avec deux os. Alors, on va enlever la viande. Pour l'instant, je vais enlever les os aussi. Alors, on va ajouter une tasse d'eau froide, ou même une demi. Pour l'instant, c'est uniquement pour gratter, pour dégager les sucres. On va ajouter les os. On rajoute les os. Et les morceaux de gras. Donc, on laisse les morceaux de gras. C'est beau. Le reste, je le mets au réfrigérateur. Ensuite, on va rajouter, j'ai ici une branche de céleri avec le feuillage. Ici, c'est deux branches de céleri coupées finement. Ensuite, je suis supposé avoir deux carottes, deux branches de céleri, un panais, mais je suis supposé aussi d'avoir un navet. Donc, j'ai mis deux panais et j'ai mis une patate douce à la place. Mais c'est deux carottes, deux branches de céleri, un panais, une pomme de terre. Je la remplace par la patate douce et j'ai aussi plus de panais. Donc on ajoute tout ça. C'est beau. Ensuite, hier, j'ai fait tremper des flageolets. Alors, je les ai fait tremper dans de l'eau additionnée de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe. On ajoute les flageolets aussi. Et on va ajouter de l'eau. C'est l'eau de trempage de mes légumes. Alors, on va porter à ébullition. J'ai encore oublié mon sac d'épices. Alors, mon sac d'épices contient deux feuilles de laurier, deux cuillerées de basilic, une cuillerée de thym, plus une cuillère à soupe de fines herbes italiennes. Comme toujours, si vous n'avez pas ce genre de petit sachet, vous prenez un morceau de coton rond, vous mettez les épices au centre, vous formez un baluchon, vous nouez et on le met dedans. Le point d'ébullition est atteint. J'ai baissé le feu au niveau 4 sur 9. Et là, on commence à écumer. C'est la raison pour laquelle je n'ajoute pas tout de suite les tomates, parce qu'on va écumer. Donc, je ne vais pas perdre de la tomate. Donc, j'ajoute les tomates qu'à la fin, juste avant les pâtes. J'ai remonté le feu à 5,5 parce qu'il n'y avait pas assez de bouillon. Il faut quand même qu'il y ait des moyens bouillons, donc, pour faire sortir l'écume.
Même je vais le mettre à 6 pour l'instant. Quitte à le rebaisser par la suite. L'objectif, c'est d'avoir des moyens bouillons. Ni des petits, ni des gros. J'ai fait rôtir des échalotes françaises. Donc, on ajoute les échalotes françaises à la soupe. Un peu. J'ai retiré les os, le gras et le sac d'épices. On va ajouter des tomates et des cerises. Et j'ai une purée de légumes ici. J'ai pris un peu de bouillon et je l'ai mis dedans pour vraiment diluer. On continue la cuisson. Après avoir rajouté la tomate et la purée, il faut vraiment écumer. Pourquoi on écume? Parce que c'est de l'amertume. On ne veut pas que ça soit amer. Mais elle est très très belle la soupe. Le minestrone. On voit qu'il n'y a presque plus d'écume, donc on peut mettre les nouilles, mais avant ça, on va mettre le sel. Pour ça, c'est une bonne cuillère à soupe. Donc pour moi, comment j'y vais pour la cuillère à soupe là? Voilà. Elle est vraiment très belle, elle sent très bon. Alors, une demi-tasse d'orzo. Pourquoi on ne met pas avant les nouilles? Tout simplement parce que c'est quand on va écumer, à un moment donné, les nouilles peuvent être dans la cuillère à écumer. Donc, on poursuit la cuisson encore une trentaine de minutes. Les nouilles commencent à coller dans le fond, donc il faut gratter avec la cuillère pour éviter que ça se colle. Je ne sais pas si vous voyez la consistance de la soupe. C'est vraiment très dense. Un minestrone, il faut que ça soit de cette consistance-là. C'est un bouillon épais. Alors, on voit que la soupe, elle est prête. Les nouilles ont bien gonflé. C'était ma recette de minestrone. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.